président de la thèse, honorables invités, mesdames et messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations, souhaits de bon anniversaire et félicitations, mes félicitations pour les succès enregistrés de l'ensemble des membres de la plateforme d'appui au développement rural et de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Est et du Centre. Je veux parler et de la CEDEAO, de l'UOMA, de la Communauté économique d'Afrique centrale, du ROPA, du réseau militaire marocain, Chambre d'agriculture, Association des exportateurs en Afrique, j'en passe. Donc, leur souhait de bon et joyeux anniversaire. Et j'y joins mes voeux propres, mes félicitations, mes encouragements. Je suis toujours avec vous. Je sais combien vous êtes sérieux dans votre travail, combien vous êtes professionnel dans votre travail et combien vous aimez l'élevage. Et vous réitérez tout notre engagement à rester à vos côtés. Vous pouvez compter sur nous. Je voudrais aussi vous transmettre les excuses de la CEDEAO qui m'a demandé surtout de les exprimer devant Madame la ministre de l'élevage et des productions végétales du Sénégal. Vous le savez, c'est leur instance statutaire qui s'ouvre aussi aujourd'hui. Mais le directeur exécutif de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation est dans les avions et sera à la table ronde finale. Je ne saurais terminer sans moi aussi de mon côté féliciter Madame le ministre de l'élevage et des productions végétales du Sénégal. Je suis au Sénégal, je suis dans la région, je vois vraiment l'engagement dont elle fait montre pour l'élevage. Madame, vous n'avez pas ménagé votre physique. On vous voit pendant la Tabaski, on vous voit dans toutes les régions du Sénégal. Vraiment, félicitations et que Dieu vous aide et vous aide dans votre travail et vous permette d'avoir plus de résultats encore. Je vous remercie.